Un pur bonheur de vous offrir chaque matin un petit déjeuner auréolé d'information et de divertissement. Nous ouvrons la parenthèse avec vous, madame, monsieur, bonjour. La parenthèse, c'est 90 minutes de régal, d'astuces, d'anecdotes, de partage et surtout de bonne humeur. Et c'est justement dans la bonne humeur et la détente que nous ouvrons ce nouveau numéro de votre émission en faisant un tour chez notre astrologue visionnaire à nous. Les projecteurs sont allumés aujourd'hui sur le signe Écureuil. L'horoscope, selon Pipi Wabaro, c'est une exclusivité au RTB. Astrologue Yabata, celui qui transforme le malheur en bonheur. Astrologue Yabata, celui qui transforme le malheur en bonheur. Astrologue Yabata, longue vie, longue vie et longue vie. Merci. Merci. Applaudissez pour vous-même. Merci. Merci d'être ici ce matin. Ça, c'est bien, ça, c'est gentil. Et vous aurez votre vie parfaite. Avec moi, vous avez de confiance totale. Je vais vous délivrer de la main de trucs de la vie. Parce que les fonds disent souvent, mais gagne son jaïa. Les blancs disent, celui qui a donné son dos au mortel, il ne tombera jamais. C'est comme ça. Donc avec moi, vous ne tombez pas en chemin. Je suis là pour vous faire vivre la réalité de la vie. Et vous allez m'excuser beaucoup parce que j'ai accusé de retard. C'est parce que les gens de Papané m'ont bloqué là-bas. C'est eux qui me passent. C'est là-bas que je viens de là-bas. Et il y a du monde. Ici, là, c'est petit, hein. Il y a du monde. Il y a les villages qui m'attendent aussi. Plus de 60 villages qui m'attendent. Et il faut que je finisse avec vous avant de m'invoquer des autres villages. Ça va? Sinon, ça va? Ça doit va. Et vous aurez votre confiance avec moi. Et on s'est arrêté sur qui le jour-là? Moi, ma femme. Vous j'ai venez alors. Il y a c'est déjà monsieur Alain Medjian, ça va? Ça va bien. Ça doit va. Ah, merci. C'est bien. Merci. Bon, aujourd'hui, sans plus tarder. Ma femme, c'est pour ma femme. Ah, c'est pour votre femme. Voilà. D'accord. c'est pas. N'hésitez pas. D'accord. Je suis là pour vous délivrer. D'accord. Je suis là. Votre astrologue est là. Merci. Dieu m'a créé uniquement pour vous. Nous. Voilà. Et vous serez satisfait. Merci bien. D'accord, allez-y. Ok. Elle est dans quel mois? Du mois de février. Elle est du mois de février. Ah, ça fait écureuil. Ah, son signe c'est écureuil. Écureuil. Ok. C'est pas mal, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Elle a quel âge? Elle a 35 ans. 35 ans. Vous êtes il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Il y a 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans. Putiation. 3 ans. Minadou Béton déboua. Parce que les écureuils, après 20 ans de naissance, ils ne font rien. Après 20 ans de naissance, c'est de n'importe quoi. Ah bon? Si vous avez marié à temps, vers les 18 ans comme ça, vous allez manger un peu, vous allez gagner un peu de sa gentillesse. Ah. Là où elle est maintenant, elle va devenir n'importe quoi. Kiki. Avant, elle n'était pas comme ça. Avant 20 ans, ils sont bons partout. C'est une femme, non? C'est sa femme, non? Non, ne priez pas. Laisse-moi terminer d'abord. Vous allez prendre. Elle dit qu'elle ne va pas vivre longtemps, c'est ça qui. Non, c'est pas ça. Elle va vivre longtemps. Mais après 20 ans, les écureuils sont devenus insupportables. Quand ils ont commencé quelque chose là, après 20 ans là, tout est gâté. Il sera méprisé partout. Quand il prend quelque chose, elle prend quelque chose pour faire là, vraiment c'est des dégueulasses. Et c'est ce qu'il fait bien avant 20 ans. Aujourd'hui, après 20 ans, tu vas dire, ah, j'ai méprisé ma femme. Je ne connais plus ma femme. Elle va faire des n'importe quoi. Elle va des boissons sur Béa. Et dans ce nom, elle a vivi. Et il y a un nouveau, elle a sur Béa. Nous, 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 nous,
Elle ne fait rien de normal. Elle ne fait rien de normal. On ne voit pas de cancer en Kouméa. Ah ou? Elle comprend. Oui, elle est une dé. Elle aime de ce truc là, comment on l'appelle? Noix de palme. Noix de palme. Elle comprend bien. Elle ne veut plus rien faire. La circulation, c'est une femme. Tu es d'accord? Elle va devenir insupportable. Si c'est un homme, laisse-moi te dire que si c'est un bureaucrate ou bien truc là, il est devenu une terre fertilisée. Infertilisée. Voilà, infertilisée. Elle ne produit plus rien de bien. Donc il n'est pas là. Après, donc ce que je vais te conseiller, il faut la renvoyer. Renvoyez-la. Sinon, il n'y a plus de confiance. Il ne faut plus rien de bon à lui. Nous ne sommes pas bon à mon platon, mais. Hein. Ça finit? Le drame est qu'elle a un enfant pour moi qui est né aussi en février. Donc, tu as marié écureuil et tu as fait un enfant écureuil. Bon, les enfants va te soulager. Lui, il a quel âge? 2 ans et demi. Deux ans et demi. Tu as encore au moins 17 ans et demi. Tu as pour bénéficier, quoi, de lui. C'est ça. Ne soyez pas pressé. D'accord. On va prier pour lui. On va changer son signe. Son signe. Sinon. D'accord. Si ou bien vous allez le chasser. D'accord. Chasse-le à maintenant. On va changer son signe. On va faire les cérémonies. Si on va changer son signe ou bien on va le chasser. Non, on va changer son signe. Sinon, on va changer son signe. On va changer son signe. On comprend bien. Astrologue. Toutes mes considérations. Oui, je suis là pour vous délivrer. Je voudrais profiter pour vous dire quel est moi mon signe et quels sont les interdits aussi. Moi, je suis né en janvier. Janvier? Ah, enchanté. Vous êtes la papa Noué. Les signes, la papa. La papa. La pinaise. Vous êtes un signe pinaise. C'est un bon signe. Souvent, le pinaise. Les signes punaises sont ils sont toujours gros, ventrus. Ils ont les joues gonflées. Là où tu es maintenant, vraiment, excuse-moi beaucoup. Ablo m'a dit, Akpa Anoué. Akpa. Tu sais comment on a à Akpa. Allez, on va mener vos doudous. Tu es un grand profiteur. Là où tu ne semais pas, c'est là où que tu récoltes. Tu ne connais pas Afrique d'Adoya. Tu comprends pas? Tu ne fais rien avant de manger. Tu es là. On va te nourrir. Okay, parce que c'est ton signe. Okay. Tu connais la papa, non? Il ne travaille pas. Mais Afrique d'Adoya, si c'est un homme ou bien c'est une femme là. Elle est devenue comme ça, elle s'en fout. Elle profite des autres. Des autres. Parce que la maman venait dire, elle a du Jono, elle a du papa, elle a du Kweta, elle a du vie, elle a du maman qui m'aide à boire. Là où tu es maintenant sous le compte humain. Tu vas être un peu orgueilleuse. C'est comme ça qu'on dit. Et tu seras envié l'autre. Parce que tu ne veux rien faire avant de manger. Un peu. Et tu dors beaucoup. Oui, je me réveille souvent tous les matins aux environs de 11h30. Et c'est aussi qui est comme ça. Tu aimes trop à dormir. Okay. Et tu aimes trop à rester en cachette. En cachette, oui, ça c'est vrai. Là où tu es maintenant, tu ne dois pas sortir dans les trucs là. En plein jour comme ça. Okay. En bon, là, tu vas éviter le soleil, d'accord. La chaleur. Je n'aime pas vraiment la chaleur. Là où tu es maintenant, tu vas interdire à ta femme de sécher votre matelas. C'est interdit chez toi. Même si c'est mouillé, c'est interdit. Tu vas éviter d'utiliser du pétrole. Quand faut aussi.
Okay. Il faut éviter cela. Sinon, tu vas vite mourir. Mourir. Là où tu es maintenant, tu es bon, c'est un bon signe. D'accord. C'est un bon signe. D'accord. Mais c'est des fainéants. D'accord. Si la punaise là, ils sont des fainéants. Ils ne font rien. Mais ils sont toujours. Ils mangent. Ils mangent comme ils veulent. Voilà. Enfin, il y a la chance. Maintenant, on a noué. D'accord. Ça m'a d'autres. On a noué. D'accord. À comprendre. Et là, nous, on a noué. Mais nous, on a noué. D'accord. À comprendre. Et quand c'est même debout, tu vois, il y a une grande péria. Tu peux être agrégé. Tu peux avoir la licence. Jamais. Dans une autorité, là, non, jamais. Non, non, non. Mais Glodian, non. Tu seras toujours. Sous quelqu'un. Sous quelqu'un. N'hésitez pas. Donc c'est il faut comme faire ça. Des cérémonies dans ce sens. Il n'y a pas de cérémonie dans ce sens-là. Il y a fait de Ménian, ou pas beaucoup. Tu peux partir. D'accord, c'est vraiment. Bien. Je compte sur vous pour changer. Il n'y a pas de problème. Pour changer mon malheur à mon bonheur. Oui, d'accord. C'est ça. Merci bien. Dis courage. Okay, merci, on va s'arranger ça. D'accord. Ne t'en faites pas. Merci. Je suis là pour vous. Merci, Asseya. Merci. Donc tu peux partir. Merci, Asseya. Voilà donc notre astrologue visionnaire très 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 particulier bien évidemment. Avis à vous donc si vous êtes du signe écureuil ou du signe punaise communément appelé donc la coin. Voilà. Voilà, ça arrive beaucoup sur ce plateau déjà. Mylène, bonjour, bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Et avec vous on va installer le plateau santé. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'alimentation de la femme enceinte, n'est-ce pas, Mylène? Oui, et vous le savez certainement, pendant la grossesse, les besoins alimentaires changent. Et il est important pour la femme enceinte de bien se nourrir en qualité, car c'est son corps qui fournit au futur bébé tous les éléments dont il a besoin pour bien se développer, en l'occurrence, les protéines, les sucres, les vitamines et les minéraux. Ce qui explique que les besoins en énergie, en éléments nutritifs, sont d'ailleurs plus grands durant la grossesse. Quels aliments privilégier et quels sont ceux à éviter? Tout ce qu'il faut sur l'alimentation de la femme enceinte, c'est avec notre diététicien, Fiacre Aladaye. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Bonjour, après. De quoi devait être composée l'alimentation d'une femme enceinte? D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je suis nutritionniste. Du coup, je ne suis pas diététicien, je suis agronome nutritionniste. Alors, nous parlons de la femme enceinte, l'alimentation de la femme. D'abord, il faut signaler que c'est un groupe assez sensible, assez vulnérable. Donc, il n'est pas question de composer des menus standards pour les stresser davantage, d'accord? Une femme enceinte doit manger normalement et c'est ce que nous allons essayer de développer un peu. La première des choses, c'est de faire l'effort de composer des menus équilibrés. Comme je l'ai dit, un menu équilibré, ce n'est pas de la magie. C'est juste connaître ses aliments, ce qui est disponible dans son ménage et de voir comment faire la combinaison de ces aliments pour avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. D'abord, vous pouvez aller sur le net, faire un peu de recherche et voir un peu les différents groupes d'aliments. Je veux parler juste du groupe des céréales, des racines et tubercules. Quand je parle de céréales, c'est notre maïs, sorgho, mil et toutes ces céréales-là qui constituent le groupe des céréales. Il y a aussi la racine et tubercules, les yams, le manioc et tout cela qui constitue l'ensemble qui constitue un premier groupe. Il y a le groupe de la viande, du poisson et tout ça qui constitue le groupe de protéines. Qui fournit de protéines. Il y a le groupe des légumineuses aussi, ainsi de suite. Il y a les différents aliments sont regroupés en 10 groupes pour les femmes, d'accord? Donc, il est conseillé aux femmes de manger au moins 5 différents groupes au cours de leur repas. Donc, c'est ça l'exercice que nous devons essayer de faire avec les femmes pour avoir un menu équilibré. Alors, une fois passé la composition des aliments, nous allons parler de la consommation de l'eau. Vous voyez, puisque la femme enceinte, c'est un être qui porte en elle un autre être, il va falloir qu'elle hydrate régulièrement son organisme pour ne pas priver l'enfant qu'elle porte des besoins en eau. Donc, il faut que la femme enceinte consomme suffisamment d'eau. Prennent suffisamment d'eau. Alors, autre que ça, il y a le fait que, comme vous l'avez si bien introduit, les besoins en énergie, en protéines, en minéraux qui augmentent. Donc,
la femme doit augmenter, ne serait-ce que légèrement. Je ne vais pas me mettre à dire telle quantité de kilocalories, telle quantité de vitamines, non. Ça, c'est une façon de stresser les gens. Et nous n'avons même pas les instruments de mesure chez nous pour commencer par faire ces mesures, voici, non. C'est juste savoir les aliments que nous devons combiner et avoir une bonne alimentation. Les femmes enceintes aussi doivent consommer les groupes de légumineuses qui sont constitués de NIEB, d'accord ? NIEB, Vandou et tout ce qui est constitué de dans ce groupe-là pour donner pour avoir de protéines. Alors, ces protéines ne sont pas souvent aussi assimilables, aussi faciles à digérer que les protéines d'origine animale. Donc, les protéines d'origine végétale doivent être suivies de la prise de la vitamine C, d'accord, pas forcément ce qui est vendu à la pharmacie, mais avec un peu de citron pressé dans l'eau, fruit de citron, ça s'assimile très facilement. Alors, nous allons nous arrêter là, nous allons peut-être revenir sur les autres détails. Il y a aussi le groupe des fruits et légumes, d'accord, qui constitue un groupe très indispensable pour les femmes enceintes parce que c'est là où elles maximisent davantage les micronutriments et puis les vitamines, les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, où l'organisme a besoin de ça d'abord pour les besoins physiologiques, pour le bon fonctionnement et tout, et aussi l'enfant qui doit naître. Et quand je veux parler de fruits, je conseille souvent, surtout pour les femmes enceintes, la prise des pulpes de baobab, d'accord, qui est souvent négligée, qui est très riche en vitamine A, est très riche en calcium aussi, donc, et aussi en fer. Mais on néglige alors que c'est disponible dans nos régions. Il y a aussi la poudre jaune de Néré. Souvent, on n'utilise pas ça. On jette ça, c'est rare. C'est quand on était enfant qu'on essaie de sucer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et les graines, on utilise pour faire notre affinité qu'on assimile à la moutarde. Ce n'est pas la même chose. Alors, donc, c'est des aliments disponibles, d'accord, qui sont très riches et très indispensables pour l'organisme de la femme enceinte. En parlant d'aliments, oui, est-ce qu'il y en a qu'elle doit spécialement éviter? Oui, justement, il y a des aliments que la femme enceinte doit éviter. Parce qu'on constate que tout ce que la femme enceinte mange, c'est ce que le fœtus aussi mange dans son organisme. Je vais d'abord commencer par une très mauvaise habitude que nous développons pour développer des maladies de civilisation plus tard. C'est d'abord la consommation de la glace. La glace qui n'est normalement pas un aliment, c'est un produit pour conserver, pour faire la conservation que le plant utilise sa glace. Mais nous, c'est ça, nous consommons. Et les femmes enceintes, surtout avec des envies démesurées, elles sont tout le temps avec leur glace. C'est très mauvais, c'est une très mauvaise habitude. Elles consomment de la glace ou de l'eau fraîche ou quelque chose de frais? La glace, de l'eau fraîche aussi. En fait, vous savez bien de quoi je parle, c'est l'eau formée à moins de 0 degré qui est formée, qu'elles prennent et puis ça soulage leur envie de soif. Ce n'est pas une très bonne habitude parce que bon, vous pouvez faire l'expérience à la maison, n'importe où vous êtes, prendre un morceau de glace dans votre main, vous gardez ça, vous serrez ça fortement pendant 5 minutes, vous verrez l'effet que ça aura sur votre main. Alors que les muscles qui sont à l'intérieur de notre organisme sont encore plus fragiles que les muscles de la main. Donc, ça coagule en fait le sang. Ça ne facilite pas la circulation sanguine. Alors, autre que la glace, il y a aussi l'alcool, qui n'est d'ailleurs pas un aliment et qui est souvent listé, d'accord, parce que ça se consomme. On met ça sur la liste des aliments, mais ce n'est pas un aliment. Ça fournit peut-être de l'énergie, mais ce n'est pas de la bonne énergie. Et lorsque vous êtes enceinte et que vous prenez de l'alcool, l'enfant aussi consomme directement l'alcool que vous consommez. Parce que d'abord, l'alcool est un produit synthétisé qui est très facilement assimilable. Donc, ça passe pratiquement dans tous les tissus. Donc, ça va aussi au niveau de l'enfant. Est-ce que l'alcool ne fait pas partie des envies de femmes enceintes? Justement. Il y a même, dans nos centres de santé, il y a même des femmes qui conseillent. Et la consommation de la bière, surtout après l'accouchement, c'est une très mauvaise chose. Que la femme soit enceinte ou allaitante, elle ne doit en aucun cas prendre de l'alcool. Il y a même des études récentes qui ont montré que
que ça soit n'importe qui, on ne devait même pas prendre de l'alcool. On va certainement revenir sur la consommation de l'alcool dans une autre émission, puisqu'on parle de la femme enceinte maintenant. C'est déconseillé, ce n'est pas du tout bon. Même pas une petite dose, ce n'est pas bon. Et est-ce qu'elle doit manger uniquement quand elle a faim? Parce que, par exemple, moi, je mange quand j'ai faim. Est-ce que je peux toujours continuer quand je serai enceinte? D'accord. D'abord, je vais finir rapidement avec les interdits. Autre que l'alcool, il y a aussi le tabac. Il y a, dans certaines régions du Bénin, ailleurs, certaines femmes fument quand elles sont en état de grossesse, c'est une mauvaise chose. Il y a d'autres qui consomment suffisamment de kaolin, le clabard, non, c'est pas bon. C'est pas du tout bien. Ça limite en fait l'assimilation et la disponibilité du fer et des micronutriments dans l'organisme. Donc ce n'est pas une bonne pratique. Alors, est-ce que la femme enceinte doit manger quand elle a faim? Non. Normalement, tout et chacun de nous devons avoir un planning alimentaire. Nous devons manger avant d'avoir faim. C'est ce que je dis souvent, mais ce n'est pas souvent ça notre habitude. Si on n'a pas faim au point d'avoir le vertige. Et on a les yeux rouges. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que avant que l'organisme présente ces symptômes, c'est que l'organisme a déjà épuisé ses réserves alimentaires, ce qui n'est pas bien. Ses réserves énergétiques et micronutriments et autres, ce n'est pas bien. Ça conduit souvent à des maladies. Donc, l'idéal, c'est de manger le plus, avoir un planning alimentaire. Je sais qu'à 7 heures, je dois manger. Je sais qu'à 10 heures, je dois manger. À midi, je dois manger. C'est un peu comme ça que nous devons nous organiser. Il paraît que la consommation de jus de coco, de carottes, rend beau, joli l'enfant, le futur bébé. Est-ce vrai? Ça, c'est des perceptions sociologiques qui ne sont pas forcément vérifiées. Mais ce qui est, c'est quand même une bonne pratique parce que ce sont des fruits, d'accord, des légumes, les carottes sont aussi des légumes, qui sont très riches en vitamine A. Et la carotte, par exemple, une femme enceinte ne peut pas se passer de la prise de carotte chaque jour, par exemple, parce que c'est très riche en vitamine A et ça agit sérieusement sur la vision des enfants. Donc, si vous ne voulez pas que vos enfants portent déjà des lunettes dès le bas âge, ce que nous constatons déjà dans, au sein des enfants, même très petits qui commencent déjà pas à porter des lunettes à des gros frères, consommer de la carotte tous les jours, consommer toujours des fruits. On ne peut pas, par exemple, une femme enceinte ne peut pas, par exemple, prendre chaque jour, par exemple, au moins un fruit d'orange, d'accord? Ce qui est disponible le moins cher partout au Bénin et avoir des problèmes de montée de lait après accouchement. Parce que c'est des problèmes qui surviennent et c'est là d'autres sages-femmes qui ne sont pas forcément nutritionnistes, qui ne maîtrisent pas l'alimentation, conseillent de prendre la bière et puis les problèmes commencent déjà par là. Parce que dès que vous consommez de l'alcool, c'est le cerveau de l'enfant, le cœur de l'enfant, le foie de l'enfant qui sont affectés. Votre enfant est prédisposé plus tard à des maladies chroniques, au diabète, à l'hypertension, au surpoids, ainsi de suite. Vous détruisez tout dans le corps de l'organisme, dans le corps de l'enfant. Monsieur Ladaye, qu'est-ce qui explique le fait que la femme enceinte parfois, au beau milieu de la nuit, a des envies bizarres, a des envies alambiquées. Des envies que tu qualifies de bizarres. Elle fait tout un tapage pour que vous alliez, vous sortiez, pour que vous alliez lui chercher ce qu'elle réclame. Et c'est qu'à votre retour, généralement, elle prend deux cuillerées et puis c'est terminé, elle dit qu'elle n'en veut plus. D'abord, qu'est-ce qui explique les envies? Et pourquoi, justement, dès qu'elles ont la matière disponible, elles n'en veulent plus? Est-ce que c'est des caprices de femme enceinte? C'est des caprices. C'est des besoins physiologiques, en fait. Et c'est beaucoup plus ça. C'est pourquoi je tiens à ce qu'il y ait un planning alimentaire, d'accord? Pour qu'elle sache à quelle heure doit manger et tout. Et si elle le fait, le reste, ça sera de caprice. Parce qu'une femme enceinte doit forcément combler ses besoins, d'accord? En énergie et tout, micronutriments et tout ce qu'il faut. Alors, si elle a des envies, c'est peut-être juste pour taquiner son mari. C'est un besoin physiologique. Mais vous avez aussi la preuve, parce que vous avez déjà répondu à votre question, c'est qu'elle demande et quand on la donne, elle ne mange plus, ou bien elle n'est plus en mesure de manger. Ouais, donc, c'est les caprices de femmes que nous devons aussi supporter en tant qu'hommes. Un conseil à l'endroit des hommes, c'est de faire tout possible pour bien alimenter la femme enceinte et allaitante. Ça va nous éviter, et ça nous a toujours évité, d'être réguliers et fréquents dans les pharmacies et dans les centres de santé, toujours investis dans la santé de nos enfants et de nos femmes, sans pouvoir récupérer cette santé qui est perdue. C'est-à-dire donc que les femmes enceintes qui mangent bien durant la grossesse contribuent à la bonne santé de leur bébé à venir? Il y a plusieurs études qui ont prouvé que l'alimentation de la femme enceinte, de la femme, qu'elle soit d'abord déjà même à l'étape, la femme adolescente
enceinte et allaitante est directement liée à l'état nutritionnel de son enfant, l'état de santé de son enfant. Donc, il est indispensable à la femme d'être bien nourrie pour garantir une bonne vie, un bon état de santé et nutritionnel à son enfant. Merci, monsieur Fiakralade, nutritionniste. Oui, je suis nutritionniste. Merci. Merci à toi aussi, Mylène. On va te retrouver tout à l'heure, c'est bien cela, n'est-ce pas? Mais avant, on va installer Ariane Da Silva, qui va nous parler l'histoire du drone, c'est dans Découverte. Nous parlons aujourd'hui du drone avec Ariane Da Silva. Ariane Da Silva qui est déjà d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Ariane Da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Nous parlons justement du drone ce matin. Et nous avons un invité, c'est le docteur Lawani Ismail. Il est conseiller à la formation et à la recherche sur les drones dans une structure de la place. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame Da Silva. Alors, bonjour. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on entend par drone? C'est quoi un drone? En fait, le terme drone, il faut tout de suite dire que c'est un terme qui est impropre, en fait, parce qu'on ne le trouve dans aucune législation au monde. Le terme exact, c'est des abréviations qu'on appelle, qui sont UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, ou bien ERPA, Remotely Pilot Aircraft. C'est pour dire que ce sont des objets volants sans humain à bord, qui sont télécommandés à distance. D'accord. Et quelle est l'histoire des drones? Il faut dire que les drones ont déjà plus de 100 ans d'histoire. D'accord. Je vais me focaliser sur certaines dates importantes pour ne pas être très long. Mm-hmm. C'est en 1917 que le premier drone a décollé en France, construit par un capitaine de l'armée américaine, il s'appelle Max Boucher, qui a pu faire voler un avion commandé par des ondes téléphoniques. Il a pu le faire voler sur 1 kilomètre. Par la suite, toujours dans le domaine militaire, les grandes puissances ont rivalisé d'ingéniosité, les États-Unis, la Russie, la France, ce qui fait que le drone s'est beaucoup développé d'abord dans le domaine militaire, comme beaucoup de technologies. Et c'est seulement il y a 20-30 ans que c'est passé dans le domaine du public, dans le domaine du social, non militaire. Voilà, et comment est-ce que le drone a évolué? Parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de drones. Il y a tellement de drones, n'est-ce pas, Herman? Bien évidemment, oui. Donc, en termes d'évolution, je dirais qu'il y a eu d'abord la miniaturisation, parce qu'au début, c'était de très gros avions qui étaient envoyés, qui étaient adaptés sous forme de drones. Donc, au fil des années, ça s'est miniaturisé. Aujourd'hui, vous avez des drones qui peuvent mesurer à, je sais pas, 10 cm. Et quand on le fait décoller, ça peut monter jusqu'à 2000 mètres. À part la miniaturisation, nous avons l'adaptation de différents, je dirais, senseurs ou bien de différents équipements. Les équipements sont passés des grosses bombes ordinaires que les militaires utilisent à des caméras et à des armes de plus en plus miniaturisées aussi à la taille des drones. Voilà, à peu près ce que je peux dire. Aujourd'hui, quelles sont les catégories de drones que nous avons? Parce qu'il y a des drones pour prendre des images, il y a des drones pour même arroser, il y a des drones pour livrer, des drones militaires, etc. etc. Oui, et en termes de catégorisation, il faut dire que la classification est diverse. Ça dépend des critères qu'on utilise. De façon grossière, on distingue en fonction du mode de propulsion, ou bien du moyen de propulsion, les drones à voilure fixe, c'est-à-dire ce sont des drones qui ont les formes des avions avec des ailes. Ils ont l'avantage de pouvoir consommer moins d'énergie et d'utiliser leurs ailes pour planer. Donc, ils peuvent voler pendant de longues distances. Et j'allais même vous demander, le drone utilise quoi? Est-ce que c'est une batterie? Est-ce que c'est une pile? Oui, en termes d'énergie, je vais terminer par rapport à la classification. D'accord. Il y a ensuite les drones à voilure tournante. Ce sont ceux qui utilisent des rotors comme les hélicoptères. Ils peuvent utiliser 3, 4, 6, 8 hélicoptères, 8 rotors, ce qui leur donne le nom de tricoptère, quadricoptère, hexacoptère ou autre.
ils ont l'avantage de pouvoir effectuer des vols géostationnaires. C'est-à-dire ils peuvent rester sur place dans l'air. Ça leur permet de faire des missions d'inspection, par exemple, d'endroits précis. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils consomment beaucoup d'énergie, donc ils volent moins bien. Nous avons maintenant enfin les drones à voilure mixte qui combinent les rotors, qui leur permet de décoller verticalement et de faire des épisodes de vol géostationnaire. Et ils ont également des ailes. Donc, ils combinent les avantages des deux types de drones. En termes de... Vous avez parlé tantôt de... D'énergie, voilà. Les sources d'énergie sont variables. D'abord, les drones ont utilisé l'énergie des avions, du kérosène. Ensuite, il y a des batteries de divers types et de diverses constitutions. Ce sont les batteries lipoprotéines qui... lithium polymère qui sont aujourd'hui les plus utilisés. Mais il y a des avancées, des recherches en matière d'utilisation d'énergie solaire et d'autres types d'énergie pour pouvoir rendre les drones beaucoup plus bio, beaucoup plus smart. Mais est-ce que les drones ont des fonctions secrètes? Oui. Si le concepteur du drone ne te dit pas ce qu'il fait, tu ne pourras pas le savoir. Donc, en ce sens, ça peut être secret. D'accord. Et je suis sûr que dans le domaine militaire, il y a plein de choses que nous ne savons pas encore. Nous ne savons que ce qui est mis à disposition du secteur civil. Donc, c'est sûr que dans le domaine militaire, il y a des fonctions qu'on ne distingue pas encore. D'accord. Alors, Herman, j'ai prévu pour vous un élément de 2 minutes pour nous apprendre un peu à piloter un drone. Alors, suivez plutôt. D'accord. Cet appareil de modélisme, il vous faut tout d'abord allumez votre radio, puis votre drone. Nous retrouvons sur cette télécommande deux joysticks. Ici à gauche, le joystick permettant de monter, descendre, de tourner à gauche, tourner à droite. Et ici à droite, le joystick permettant d'avancer, de reculer, d'effectuer une translation vers la gauche ou une translation vers la droite. Nous allons décoller le drone et essayer de le stabiliser. Une fois la stabilité maîtrisée, nous allons utiliser le manche de droite, ici en mode 2, pour, en poussant, faire avancer le drone, en reculant, le faire revenir vers soi. Sur ce même manche, si on exerce une pression vers la droite ou vers la gauche, le drone, lui, translate, soit donc vers la droite, soit vers la gauche. Quant au manche de gauche, on retrouve ici la montée ou la descente du drone et en tournant vers la droite, la rotation vers la droite ou la rotation vers la gauche du drone. En effet, il est plus pratique de piloter l'arrière du drone vers soi, les commandes étant dans le bon sens. Une fois que vous arrivez à maîtriser la stabilité du côté droit et du côté gauche, je vous conseille d'attaquer à faire des petits 8 avec le drone. Puis avec l'habitude d'agrandir vos cercles. On utilisera donc alors ici pour tourner la rotation avec la translation, permettant ainsi des cercles plus propres et plus larges. Avant de prendre de la distance, je vous conseille d'apprendre à faire le stationnaire drone face à vous. Il est important lors de vol de penser à surveiller le niveau de batterie, soit via les indicateurs indiqués sur l'écran FPV, soit via les indicateurs lumineux présents sur le drone. Vous savez donc désormais comment piloter un drone. C'est vrai que l'exercice ne sera pas facile, mais Ariane, avec vous, on va venir vous chercher pour que vous puissiez nous apprendre. Parce que voilà, c'est vous qui nous donnez des cours de drone sur ce plateau. Alors, je vais poser une question à votre invité très rapidement, Monsieur Lawani. Dites-nous déjà comment le drone est arrivé au Bénin. Qui peut conduire un drone ou piloter un drone et quelles sont les dispositions légales en matière de pilotage de drone au Bénin? Ok. Par rapport à l'arrivée du drone au Bénin, il faut dire que, bon, on ne peut pas dire exactement. Ce que je sais, c'est que les drones ont été introduits au Bénin en 2014, pour ce que je sais,
par le docteur Abdelaziz Lawani, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Kentucky et qui est fondateur d'une start-up de la place. Et à l'occasion d'un projet d'utilisation des drones pour la conservation de la biodiversité, de la lutte contre le braconnage dans la Pendjari, dans le parc de la Pendjari. Donc, à cette occasion, il a pu amener des drones au Bénin, apprendre à des enseignants, à des chercheurs béninois à construire leurs propres drones et les utiliser pour détecter les poches de braconnage dans la Pendjari. S'agissant de qui peut piloter un drone, il faut dire qu'au Bénin et dans beaucoup de pays de l'espace UEMOA, il y a une législation qui est mise en place. Tout le monde peut conduire un drone, mais tout le monde n'a pas le droit de conduire un drone. En ce sens que d'après la législation, la réglementation relative à l'utilisation des aéronefs télépilotés qui a été adoptée par l'Agence nationale de l'aviation civile béninoise en septembre 2018 et qui est rentrée automatiquement en vigueur, n'a le droit de conduire un drone que toute personne qui a au moins 18 ans d'abord. 18 ans. Qui justifie d'une connaissance minimale en matière de pilotage de drone. Et cette connaissance minimale est attestée après un test effectué normalement par l'ANAC qui lui délivre un certificat de pilote de drone. Et donc, vous avez vu dans l'élément le monsieur qui a fait décoller le drone, il a fait voler juste dans son environnement immédiat. Parce que les vols de drones sont réglementés par des lois. Il y a plein de choses. Il y a l'espace aérien, il y a les espaces aériens contrôlés, il y a des zones de non-vol. Il y a tellement de choses que c'est vrai. On peut piloter le drone, mais c'est dangereux de piloter un drone sans avoir une formation pratique et théorique de base minimale. D'accord. Voilà. Et surtout dans un espace un peu comme dans les zones avoisinant l'aéroport. C'est totalement interdit lorsqu'une voiture fait un accident, il y a 3 ou 4 morts. Oui. Lorsqu'un avion fait un crash, il y a plusieurs centaines de morts. Oui. Et la sécurité est un élément essentiel de l'aviation civile qui fait que les gens sont très, très, très prudents en matière d'utilisation des drones. Voilà, la modernisation d'accord, mais la sécurité d'abord. Absolument. C'est bien cela. Monsieur Lawani, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour nous donner autant d'informations sur les drones. Je pense que Herman, vous avez maintenant toutes les informations qu'il vous faut sur les drones, comment les piloter surtout. Oui, mais n'empêche pas surtout que j'ai des cours à apprendre chez vous. D'accord, je suis partante. N'est-ce pas? Alors, on va le faire juste après. Mais Monsieur Lawani, vous ne partez pas, vous allez rester avec nous, du moins vous allez revenir sur ce plateau pour faire le débat du talk avec moi. On va parler de jeunesse et entrepreneuriat, donc merci de rester avec nous. Mais avant de retrouver le talk, il y a un rituel important. C'est vrai que Bruno est en train de s'échauffer dans les coulisses, mais ce n'est pas déjà son tour, c'est plutôt le tour de Rebecca Kenya, qui nous parle de beauté. Madame Maud sur le plateau. Beauté, mode et bien-être, c'est avec Rebecca Kenyaoundé. Rebecca, bonjour. Bonjour, Eman. Alors, très heureux de vous retrouver sur le plateau. Vous avez un mignon sourire ce matin. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous faites bonne mine. Merci, c'est gentil. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Des fossiles. Des fossiles. Oui. Dites-nous tout. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode, Beauté, Bien-être. Aujourd'hui, notre rubrique s'intéresse aux fossiles après les faux ongles hier. Alors, comme toute chose, les fossiles ont aussi une histoire. L'idée de rallonger les cils comme une façon pour améliorer l'apparence, ce n'est pas nouvelle. Même si une technique pour réaliser cette idée n'était pas encore développée, les méthodes recommandables en cette période-là consistaient
en la coupe des extrémités des cils pour ainsi en engendrer une plus grande croissance. D'autres méthodes de traitement pour améliorer la croissance des cils consistaient en l'utilisation d'une pommade et le lavage des cils avec un mélange de feuilles de noyer avec de l'eau. Alors aujourd'hui, cette pratique s'est évoluée. Il en existe de différentes manières pour poser les cils et aussi sous différentes formes. On a promené notre caméra et micro hier dans le marché d'Antokba pour voir comment se fait la pose des faux cils. On regarde. Pour commencer, ceci c'est notre pince. C'est avec ça en place les faux cils. On a deux formes de fossiles. Il y a les naturels et puis les synthétiques. Ça, c'est par exemple un fossile naturel, direct. Ça, c'est un fossile synthétique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut placer un. On place les fossiles synthétiques avec une pince, à l'aide d'une pince. Et le fossile est aussi. On a besoin souvent des pics. Et puis la colle pour pouvoir poser les cils. Ça, c'est une colle avec laquelle on place les cheveux, qu'on place les mèches, tissages et autres. Normalement, pour placer les faux cils synthétiques, le demi, c'est deux rangées. C'est ce que j'ai fait à ma cliente. Deux rangées pour 1000 francs. Pour faire le paquet, c'est quatre rangées. C'est à 2000 francs. Les faux cils naturels, c'est un peu plus cher, c'est à 3000. Étant un esthéticien, et comme tout le monde doit être réveillé devant une cliente. Parce que les yeux, ça ne se vend pas dans le marché, donc il faut être souvent éveillé devant une cliente. Placer les fossiles pour ne pas faire de mistake. Je devrais monter mon de nous conseiller à Choton. Les cadeaux pour le maquillage en ton. Au fait, relooking et non relooké, beauté en an. Nous sommes dans la longueur de Jéhavio. Pour le nombre de rangées de Sopéhavio, nous avons un peu de Sopébalé, mais nous avons placé nos candies, ça ne gêne pas. Mais nous avons un peu de temps, nous avons parfois nous avons un peu de fumbo. Et nous avons un nombre de l'eau. Sinon, nous avons un peu de temps. Mais nous avons un peu de temps, nous avons un peu de nous poussons en nous cocotons des blocs et nous cocotons des fossiles et blocs bons. Pour nous coûter des billets, nous coûter des miens. Donc, si vous nous sommes en train de nous faire des billets, nous sommes en train de nous. Alors, Rebecca, question ce qu'on vient de voir là, c'est la pose des fossiles. Oui. Au marché, oui, au marché, pas chez des professionnels avérés, mais au marché. Oui. Et ça pose d'énormes problèmes déjà hygiéniques, mais aussi sanitaires. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Alors, Eman, déjà, il faut savoir que l'œil est un organe très sensible. Il faut faire très, très attention aux produits qui s'en approchent. On ne peut pas interdire, c'est évident, mais pour le faire, mesdames, allez soit dans un salon ou un institut ou dans un endroit hygiénique et avec des outils et produits adaptés.
Voilà, donc rester ou aller du moins chez des professionnels donc de l'esthétique prendre des mesures, des précautions qui permettent de préserver la santé parce que l'œil n'a pas de coup. Il faut préserver à tout prix les yeux, n'est-ce pas? Oui, exactement, Eman. D'accord, merci beaucoup à vous, Rebecca, ou merci à toi, si tu veux, pour ta brillante chronique sur les fossiles. On va à présent faire venir Bruno Swali, n'est-ce pas? Oui. Et quand Bruno est là, on parle de quoi? Sport. On parle du sport, bien évidemment. C'est Lexic Sport sur la parenthèse. Après 45 minutes d'échauffement acharné dans la salle de gym de la télévision nationale, bien évidemment, il est sur ce plateau, mais pas tout en sueur, malheureusement. Bruno Swali, bonjour, bienvenue. Bonjour, Eman, et salut aux belles dames sur le plateau. Salut aux téléspectateurs. Voilà. Les téléspectateurs vous répondent aussi, ils passent par ma voix pour vous répondre. Et aujourd'hui, bien évidemment, on parle de Grand Chelem. Oui, on va parler de Grand Chelem, un terme beaucoup plus utilisé au tennis. Vous savez, aujourd'hui, le tennis a, on va dire, 4 compétitions majeures du circuit international reconnues par la Fédération internationale de tennis. Et ce sont ces 4 tournois-là qui sont reconnus comme les tournois du Grand Chelem. Il s'agit de l'Open d'Australie, bien entendu, qui se déroule chaque année à Melbourne. Il y a également une deuxième compétition appelée les Internationaux de France de tennis ou encore Roland-Garros, qui est un tournoi très connu, surtout dans nos pays francophones, et qui se déroule sur terre battue. Il y a également le tournoi de Wimbledon qui se déroule à Londres et, pour finir, l'US Open qui se déroule à New York. Ces 4 compétitions se déroulent, on va dire, dans l'ordre que je les ai cités au cours d'une année. Donc, ce sont les 4 compétitions du Grand Chelem. Donc, pour un tennisman, remporter ces 4 compétitions-là dans la même année constitue pour sa carrière un Grand Chelem. Donc, on va suivre cet élément rapidement et on revient juste après pour d'autres explications autour du Grand Chelem. Le Grand Chelem, terme devenu très courant dans le jargon sportif de notre temps. Il s'utilise dans plusieurs sports avec des sens spécifiques. Voici le tour d'horizon pour mieux appréhender l'expression Grand Chelem dans tous ses sens. Le terme Grand Chelem ou Grand Slam en anglais dérive du verbe to slam signifiant écraser. Dans les jeux de cartes, le joueur annonce qu'il va faire un Grand Slam lorsqu'il compte remporter tous les plis au cours de la partie. L'expression a été transposée de l'univers des cartes à l'univers du sport au début du XXe siècle. La plus ancienne référence attestée date de 1910 et s'appliquait au baseball. Le journaliste John Kieran semble avoir emprunté l'expression Grand Slam au bridge et l'appliqua au tennis lorsque Jack Crawford, qui avait remporté les internationaux amateurs d'Australie, de France et de Grande-Bretagne, atteignit la finale des internationaux amateurs des USA à Forest Hills en 1933. Au tennis, les compétitions du Grand Chelem sont au nombre de 4. L'Open d'Australie qui se déroule à Melbourne sur terre battue et commence la troisième semaine du mois de janvier. Les internationaux de France de tennis, plus connus sous le nom de Roland Garros, qui se déroule à Paris et commence la dernière semaine du mois de mai. Le tournoi de Wimbledon qui se déroule à Londres sur gazon et commence la dernière semaine du mois de juin. Et enfin l'US Open qui a lieu à New York sur terre battue et commence la dernière semaine du mois d'août. Réaliser le Grand Chelem en tennis consiste à remporter la même année les 4 tournois majeurs du circuit international organisé par la Fédération internationale de tennis. Cela implique le sacre à l'Open d'Australie, à Roland-Garros, au tournoi de Wimbledon et à l'US Open. Le Grand Chelem doré consiste en année olympique, tous les 4 ans donc, à remporter ces 4 tournois et à s'imposer en plus aux Jeux olympiques. On parle du Grand Chelem en carrière pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter ces tournois de façon discontinue sur plusieurs saisons. Dans la période la plus récente, cela a été le cas avec Roger Federer et Rafael Nadal chez les hommes ou Maria Sharapova chez les dames. Dans certains sports, le terme Grand Chelem sert à désigner une victoire réalisée sous certaines conditions. Au golf, le Grand Chelem désigne une victoire dans chacun des 4 tournois dits du Grand Chelem au cours d'une même année. Au rugby à 15, le Grand Chelem désigne une victoire dans le tournoi des 6 nations en battant chacune des autres équipes engagées. En Formule 1, le Chelem désigne le hat-trick en plus d'avoir mené l'intégralité de la course. Au catch, le Champions Grand Chelem ou Grand Slam champion est une récompense donnée aux catcheurs ayant gagné un des championnats mondiaux de la World Wrestling Entertainment WWE. A contrario du Grand Chelem, on parle du Petit Chelem lorsqu'il manque un sacre pour faire un Grand Chelem. Ainsi au tennis, le Grand Chelem consiste à remporter 3 tournois majeurs sur les 4 possibles.
Voilà, on sait désormais tout sur les grands chelems. On récapitule, ils sont au nombre de quatre, c'est bien évidemment ça. Quatre. L'ATP de Melbourne ne tourne pas l'ATP. L'Open d'Australie. L'Open d'Australie qui ouvre la saison tennistique. Roland Garros ensuite. Wimbledon et l'US Open. Et l'US Open. J'ai bien retenu la leçon. Voilà, donc vous remportez les quatre tournois dans la même année. C'est que vous avez fait, vous avez réalisé, on va dire, le grand chelem. Il y a aussi le Grand Chelem doré qui ne peut être réalisé qu'une fois tous les quatre ans parce que le Grand Chelem doré inclut à ces quatre compétitions majeures du tournoi du circuit international de tennis les Jeux Olympiques qui se déroulent tous les quatre ans. Donc si l'année où les Jeux Olympiques se déroulent, vous arrivez à remporter et l'Open d'Australie, Roland Garros, le tournoi de Wimbledon et l'US Open, plus la compétition olympique, donc c'est que vous avez réalisé un chelem doré, donc alors, simplement. Qui est ce tennisman là qui a remporté le plus de tournois de grand chelem? Voilà, au niveau du grand chelem, nous avons beaucoup de tennismen qui se sont affichés, notamment André Agassi, Rafael Nadal, Serena Williams. Ça, c'est en simple parce qu'il y a en double aussi, en double où la compétition se joue par équipe de 2-2. Mais en simple, c'est que vous êtes, vous jouez personnellement, vous êtes unique, vous jouez uniquement vous-même contre un autre adversaire. Donc, il y a aussi Novak Djokovic, mais surtout Roger Federer qui, à ce jour, véritablement a pu damer. Ce n'était pas lui, mais ces dernières années, il s'est beaucoup affiché. Il a pu combler le gap. Il est aujourd'hui l'un des tops au niveau du tennis. Parlant de Grand Chelem, bien sûr, il n'est pas forcément le numéro un mondial actuel, mais au niveau des Grand Chelem, en termes de record, il détient le record. Et chez les dames, c'est bien entendu Serena Williams qui a un palmarès assez fourni au niveau du Grand Chelem. Alors, on va dire, aujourd'hui, quand on parle de Grand Chelem, qui aujourd'hui, ou du moins, quels sont ces tournois-là? Il y a au-delà des Grand Chelem, d'autres tournois qu'on appelle les Masters 1000, les ATP 500, les ATP 250. Quelle est la différence entre les Grand Chelem et les Masters 1000 oui, ou les ATP 500? Au niveau des tournois, on va dire Masters 1000, on les appelle simplement Masters 1000 parce que c'est des tournois qui regroupent des tennismen d'un certain niveau dans le rang du classement. Parce qu'il y a un classement ATP chaque année qui sort un peu comme au niveau du football. Il y a un classement FIFA qui sort pour classer les équipes nationales. Mais ici, c'est qu'on ne classe pas les équipes nationales, mais on classe les tennismen par, on va dire, par ordre de performance, chacun selon sa performance, vous avez un classement. Donc, au niveau des Masters 1000, il faut être à un certain niveau dans les classements parce que c'est un tournoi ATP quand même. Donc, il faut être à un certain niveau dans le classement ATP pour pouvoir participer à ce tournoi. Et il faut dire que c'est une catégorie d'événements organisés par donc, l'ATP qui regroupe 9 tournois. Voilà, 9 tournois qui se déroulent annuellement et ce depuis 1990 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Donc, c'est 3 continents qui sont véritablement réunis à ce niveau. Donc, ils ont changé plusieurs fois de nom depuis la création en 1990 et aujourd'hui, on parle beaucoup plus des ATP Championship Series pour la zone Amérique du Nord et Asie également. Donc, à ce niveau, comme je le disais, il faut déjà vous afficher à un certain niveau dans le classement ATP. Sinon, vous ne pourrez pas participer au tournoi Masters 1000. Et au départ, on essaie d'élargir pour que beaucoup plus de tennismen et tenniswomen puissent participer. Donc, vous avez à ce niveau-là des croisements entre peut-être grands noms du tennis et petits noms du tennis. Mais à l'arrivée, vous avez souvent des chocs assez d'une taille vraiment, je vais dire, extraordinaire parce que vous avez des tennismen qui sont dans le classement ATP pratiquement les meilleurs quand vous avez des rencontres Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, Rafael Nadal, Stanislav Wawrinka, etc. Donc, ces matchs-là, c'est des matchs qui peuvent durer des heures au niveau du tennis parce que justement, ce sont les meilleurs du classement ATP qui se rencontrent. Et rappelez surtout que le classement ATP est très compliqué pour pouvoir se frayer un chemin dans ce classement-là, c'est très compliqué. Il faut véritablement batailler, il faut véritablement se donner à fond. Et les deux Africains les mieux cotés au classement ATP, c'est qui déjà? Le Sud-Africain Kevin Anderson et le Kevin Anderson. Et à ce niveau même, Malek Djaziri. Oui, à ce niveau, vous voyez même des tennismen qui sont de très bons, on va dire tennismen, mais qui
véritablement au niveau du classement ATP ne figurent même pas de bonne position. Vous avez les Français, par exemple, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, parfois font de grands tournois, mais au niveau du classement ATP, vous ne les voyez pas vraiment occuper les premières places. Donc, vous vous dites que le tennis est vraiment un sport très compliqué et pour arriver à un certain niveau, c'est compliqué vraiment. Merci à toi, Bruno Soily, pour ces expressions que tu viens de nous enseigner. On retient pour faire court, hein, si on doit établir un parallélisme entre le tennis et le football, c'est que le Grand Chelem constitue ce qu'on a pu appeler au football la Coupe du Monde, c'est-à-dire un peu comme la Coupe du Monde, un grand tournoi que vous remportez. Voilà, donc, un grand tournoi que vous remportez où, on va dire, pour un joueur, remporter la compétition majeure en club. Parce qu'il y a aussi l'expression Grand Chelem au football, mais vous remportez votre compétition majeure en club et avec la compétition majeure avec l'équipe nationale. Voilà, merci donc Bruno. On va installer à présent Mylène pour son grand retour sur le plateau. Pardon. C'est pour parler de parade de grand-mère. Il est établi aujourd'hui dans la coutume ou dans les coutumes béninoises, bien évidemment, que lorsque vous faites un enfant, vous devriez prendre soin du rejet du cordon ombilical. On stresse même parfois rien qu'à l'idée de penser qu'une souris peut malencontreusement tomber sur le cordon ou le rejet du cordon ombilical, n'est-ce pas Mylène Fanon? Oui, Herman, et à la naissance, l'un des premiers gestes est de couper le cordon ombilical. Nous avons abordé hier les rites liés au placenta au Bénin et aujourd'hui nous parlons de ce cordon dans lequel circulent les vaisseaux sanguins et qui alimentent l'embryon puis le fœtus pendant la grossesse. Il s'agit bien sûr du cordon ombilical. Monsieur Didas Tosou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être toujours avec nous. Merci, c'est un plaisir. Qu'est-ce que le cordon ombilical du point de vue social et culturel? Bien, merci beaucoup. Bonjour le plateau. Le cordon ombilical, comme je l'ai dit hier par rapport au placenta, c'est un organe très précieux. Il n'est pas à négliger. On ne le jette pas. Il est précieux parce qu'il constitue, comme son nom l'indique, le lien entre la maman et l'enfant. Et le couper, c'est dire « je ne suis plus avec ma maman ». Souvent, quand on parle de cordon ombilical, c'est tout comme si c'est ce que vous avez de plus précieux. On demande souvent où on a enterré votre cordon ombilical. L'enfant qui grandit demande où mon cordon ombilical est enterré. Ça veut dire que vous avez une histoire. Si on dit un enfant garde toujours le cordon ombilical, ça veut dire qu'il ne veut pas, il est très attaché à ses parents, il ne veut pas quitter, les parents ne veulent pas quitter sa maman. Donc c'est comme s'il y a un lien qui est là qu'on ne veut pas casser. Voilà. Oui. L'enfant demande là où c'est pourquoi exactement. Oui, quand on demande où mon cordon ombilical est enterré, c'est d'où je viens. On demande d'où l'on vient. Est-ce que je viens d'ici, de ça? Si je suis né dans une zone ou bien dans une commune, dans un village et que je ne connais pas, ça veut dire que moi-même là, je n'ai pas de vie, je n'ai pas d'histoire. Alors que si on enterre mon cordon ombilical quelque part et que je réclame, ça veut dire que je réclame ma famille d'origine, c'est là. On n'enterre pas le cordon ombilical dans la famille de la maman, on enterre le cordon ombilical dans la famille du papa de l'enfant. Donc je dois chercher mon histoire et mon histoire, c'est chez mes parents et paternels. Donc le cordon ombilical également s'enterre? S'enterre. Ça s'enterre au même endroit que le placenta ou? Non, pas forcément, pas forcément. Et ce n'est pas de la même manière aussi. Souvent, on l'enterre, lorsque ça tombe, il faut expliquer aux téléspectateurs que c'est quelques jours après que le tout petit cordon qui est sur le ventre de l'enfant, c'est quand on est en train de faire le pansement que ça tombe, on met dans un pagne, le pagne avec lequel la maman a accouché, on met dans le pagne et ce n'est pas tout le monde qui prend. C'est pas tout le monde qui prend. Soit c'est la maman elle-même, soit c'est les parents directs de l'enfant. On ne laisse même pas à la portée de la co-épouse. Parce que si la co-épouse prend, elle peut faire autre chose que je ne vais pas expliquer ici. Voilà. D'accord. Donc, il y a une partie du cordon qui va avec le placenta, c'est bien ça? Oui. Et c'est l'autre partie qui descend. Le tout petit qui est précieux, le tout petit qui reste là, qui sait, quand on fait des pansements, c'est peut-être 3 jours, bien 5 jours, parfois ça peut faire 20 jours, ça dépend. C'est quand ça part,
quand ça tombe, on est en train de laver l'enfant. Celui qui lave l'enfant ou celle qui lave l'enfant, dès que ça tombe, c'est cette personne qui prend et met dans un panier. On ne le jette pas. Donnez-nous un exemple, peut-être chez les maris, comment ça se fait? Bien, chez les maris, quand le cordon tombe, on prend, on met dans un panier. Et on organise la cérémonie de sortie de l'enfant. Donc, c'est lors de cette cérémonie qu'on enterre. On enterre en présence des tantes ou des parents directs de l'enfant. On enterre et ça sert de connaissance réelle de l'enfant dans la famille. Voilà. Alors, M. Tosou, je parlais dans mon propos liminaire de souris que j'ai évoqué. Il est dit, oui, on nous a enseigné que lorsque le rejet du cordon ombilical tombe et qu'on laisse ça et qu'une souris tombe dessus et mange, le rejet du cordon ombilical, c'est que l'enfant sera un voleur, un brigand, un malfrat. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une parade de grand-mère? Bon, la grand-mère vous l'a dit parce que il faut prendre précaution, prendre les précautions nécessaires pour ne pas arriver à ça. Je vous ai dit, l'enfant doit pouvoir chercher à savoir où est enterré son cordon. Donc, demande ses parents, demande son origine. Si la souris prend le cordon, l'enfant va rechercher sa famille où? Dans la bouche de la souris? Voilà. Vous constatez déjà. Il va interroger la souris. Voilà. Et Bruno, donc, c'est... Il faut tout faire. C'est pourquoi j'ai dit, dès que celui ou celle qui est en train de laver l'enfant, dès que le cordon tombe, il prend soin de ça, jalousement, très précieusement, et on garde dans un panier. Et je vous ai précisé le genre de panier qu'il faut utiliser. Ce n'est pas le tigan que vous prenez, ce n'est pas vos bassins, non. C'est le panier dans lequel la femme est restée pour accoucher. C'est dans ce panier qu'on prend et qu'on garde très jalousement. Si la femme est restée en jean. Bon, non, c'est pas possible. Bon, voilà. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Bugès. Merci beaucoup. Ariane, tu as une question? Non, je pense que tout est dit. J'ai bien compris les explications de notre sociologue. Et je pense que c'est bon. C'est bon, ça peut aller. Alors, il faut prendre soin du cordon ombilical pour pas qu'une souris tombe là-dessus. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir un enfant. Et c'est le jour où on parle de souris que vous comprenez que les souris peuvent rentrer partout. Je voudrais quand même apporter quelque chose pour vous dire. Tout ce qui est sur le corps de l'homme est sacré. Tout ce qui est sur le corps de l'homme est sacré. Dès qu'on enlève quelque chose, on ne jette pas. Prenez vos ongles, quand on taille comme ça, on ne laisse pas comme ça. On prend soin. On peut aller jeter, mais on ne jette pas comme ça devant tout le monde pour dire qu'il faut balayer. Non. Si une de vos dents tombe, on ne le jette pas comme ça. On peut garder après jeter. On ne laisse pas la portée de l'autre. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Didas Tosou. Donc, on conclut justement que nos parents, nos grands-parents avaient déjà la science. Voilà. Et ils nous l'ont enseigné à leur manière. Et c'est justement que sur le plateau, nous parlons de parades. De grand-mère. Voilà. À présent, on va parler de jeunesse et entrepreneuriat. J'ai commencé par l'évoquer avec toi déjà, Ariane. On va parler de jeunesse et entrepreneuriat. C'est bien le sujet du talk. Le talk aujourd'hui s'intéresse, comme je le disais, à jeunesse et entrepreneuriat. Il est établi aujourd'hui que le chômage s'en va galopant dans toutes les capitales africaines, dans tous les pays africains. Et l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme la véritable panacée pour permettre aux jeunes de s'auto-employer, aux jeunes de devenir donc des personnalités de la cité, bien évidemment. À Cotonou, comme partout ailleurs, dans la sous-région, il y a une effervescence autour de l'entrepreneuriat. Au Togo, par exemple, il y a une initiative qui a été mise en place pour pouvoir promouvoir le Made in Togo. Suivez ce reportage et on revient juste après. Du Made in Togo, valorisé sous tous ses angles. Divers produits exposés dans un concept innovant de vente privée. Nous sommes ici au Centre Mi-Art. On y trouve un peu de tout. Des sacs en panier rosier jusqu'aux tasses magiques. L'entrepreneuriat togolais visiblement en marche. Nous avons des cadres avec des pensées d'un côté et l'autre le motif en panne. Nous avons des sacs à base de rosier avec l'intérieur en panne. Voilà. Et du cuir. Nous avons les kimonos. De tout genre,
Ça dépend de la cliente ou bien du client. Nous avons une tasse magique. C'est une tasse dans laquelle, lorsqu'on verse de l'eau chaude du moins, elle se transforme. Et là, nous avons prévu qu'elle se transforme en motif en pagne. Oui, nous avons vendu et nous sommes en train de vendre. Nous continuons par vendre. Juste en face de Mihar, les dépositaires de la griffe Lomé. Alors, c'est la marque Lomé Streetwear qui fait les t-shirts Lomé. On fait ressortir les atouts naturels de nos villes africaines. Comme par exemple, Lomé se trouve sur la côte. Alors, c'est une ville côtière. Voilà pourquoi le cocotier. Posez un petit peu dans le streetwear. Nous avons un peu de tout. Nous avons des manches longues. Nous faisons également des jeans Lomé. Également des tapettes avec de différents motifs. Nous avons trouvé notre compte et nous avons pu avoir plus de visibilité pour nos produits. Outre ces produits, d'autres articles ou accessoires sont mis en exergue à cette vente privée. Il s'agit des vêtements, des perles, des produits de beauté et articles de bureau. En tout cas, les visiteurs y trouvent pour leur compte. Franchement, j'aime beaucoup les articles qui sont exposés ici. Je trouve que ça change du coup de faire des événements comme ça à Lomé. C'est l'acte 1, j'espère qu'il y aura des actes 2, 3, 4 et qu'on va toujours revenir acheter ici. En tout cas, moi je me suis fait plaisir avec un petit short qui a été acheté juste là, que je compte porter régulièrement. Et en fait, quand je suis venue ici, la première chose que je suis venue voir, c'est les habits Lomé et ça m'a beaucoup plu. Et j'espère que quand ma mère va venir de me l'acheter. C'est la première fois pour ma part que j'assiste à un événement pareil au Togo et je suis très content de voir qu'il y a des produits qui sont faits ici, qui portent la marque et le nom de notre pays qui sont exposés. Donc je me suis fait plaisir moi-même avec un petit jogging de la marque Lomé. WeIn, une initiative de jeunes entrepreneurs de la diaspora togolaise. Ils sont venus apporter leur contribution à la promotion de la consommation locale tout en répondant aux besoins des populations. L'objectif en fait est d'importer sur le territoire togolais des produits innovants, différents, auxquels les gens en fait n'ont pas d'habitude accès, qu'ils trouvent extraordinaires et de loin, mais tout en promouvant en fait les produits togolais, c'est-à-dire que on expose à la fois des produits qui viennent de l'extérieur, mais des produits d'ici, pour que les gens voient que en fait les produits togolais sont d'aussi grande qualité que les produits qu'on peut importer. Tout le monde est autorisé à venir ici dans la mesure où l'entrée est gratuite en fait et tous les Togolais peuvent venir. D'ailleurs, la sécurité de la caisse a été prévenue pour permettre l'affluence, contrôler les gens mais tout en les laissant rentrer et pour venir faire leurs achats en fait. Il y a eu un engouement extraordinaire, les gens sont dévoués, les gens sont présents, c'est extraordinaire. Il va sans dire qu'une kyrielle d'initiatives est prise par de jeunes Togolais pour produire, consommer et promouvoir l'entrepreneuriat local pour le renforcement de l'économie nationale. Voilà donc, jeunesse et entrepreneuriat, c'est le nœud donc, de notre débat ce matin, Ariane da Silva. J'ai bien envie de te demander très rapidement ou très tôt, jeunesse et entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la véritable panacée pour remédier au chômage? Tout de suite, je vous dirais oui. Parce que, vous savez, on est dans un contexte où aujourd'hui, l'État ne peut pas recruter tous les jeunes qui sortent des écoles. Vous imaginez, tous les ans, il y a des milliers d'étudiants qui sortent des centres de formation, des écoles de formation et tout. L'État ne peut pas recruter. Même si on le veut, on ne pourra pas. Parce que l'État n'a pas besoin d'autant de gens pour travailler. Donc, on est obligé, en fait, de voir du côté de l'entrepreneuriat pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir gagner sa vie, son pain quotidien et tout. Et aujourd'hui, on a de très beaux exemples de jeunes qui entreprennent. Je pense qu'on va revenir sur le sujet. Absolument. Bruno Soilier, est-ce que tu es d'accord, justement, hein, que l'entrepreneuriat est aujourd'hui, on va dire, la parade pour s'échapper ou pour échapper au chômage? Forcément, lorsque vous avez fait une formation, ou pas forcément même fait une formation, vous avez un talent, il faut l'exprimer autrement et tout le monde ne peut pas être employé. On est quoi, peut-être 11 millions de Béninois aujourd'hui, l'État ne peut pas employer, on va dire, peut-être les 5, 6 ou 7 millions de jeunes qui sont sur tout le territoire national. Donc il faut un autre canal pour, on va dire, l'alternative de ceux-là qui n'ont pas pu être employés par l'État. Et c'est bien entendu à travers soit le privé,
soit l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, moi personnellement, je pense que il y a une manière d'entreprendre un peu classique qui concerne tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais il y a aussi une autre manière d'entreprendre qui part de votre talent personnel. Donc vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de vous lancer dans tout ce que les autres font, mais vous pouvez avoir un talent personnel. On a vu la dernière fois Cameroun qui fabrique les poupées, c'est un talent personnel, vous pouvez l'exprimer et gagner votre vie à travers cela. Et je pense même que lorsque vous entreprenez à partir d'un talent que vous avez personnellement, je pense que c'est plus original et vous pouvez même vous retrouver à être seul ou très peu de gens à opérer dans ce domaine-là, d'où votre réussite qui pourrait pointer à l'horizon. Alors Mylène, est-ce que c'est facile d'entreprendre? Non, ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est bien d'entreprendre, mais non, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de facteurs. Exactement. Il faut déjà avoir quelqu'un pour nous soutenir parce qu'on mise tout. Et toute la responsabilité est sur soi, donc ce n'est pas du tout facile. Alors on a un expert, on va le dire comme ça, sur le plateau avec nous pour nous apporter justement son expertise. On a commencé il n'y a pas parlé de drone avec vous. Drone qui induit aujourd'hui des startups qui naissent un peu partout au Bénin sur l'ensemble du territoire national. Docteur Lawani, dites-nous aujourd'hui, entreprendre, est-ce qu'on a la facilité aujourd'hui d'entreprendre et quand on prend le risque d'entreprendre, est-ce qu'on est sûr de prospérer? D'entame, je dirais que on n'est jamais sûr de prospérer quand on entreprend. C'est ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat. Lorsque vous décidez à entreprendre, il faut savoir que vous devez à la limite cesser de vivre normalement. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui consacre presque la totalité de son temps à l'objectif qu'il vise en entreprenant. Parce que souvent, il n'y a pas les soutiens qu'on observe dans certains pays occidentaux et tout ça. Quand vous entreprenez sous les tropiques, vous savez que vous devez disposer d'abord des moyens financiers propres. Ensuite, vous faire aider, si c'est possible, commencez par vous faire aider par votre entourage immédiat, votre famille. Commencez par vendre votre idée et vos produits à votre entourage immédiat. Et ensuite, faire maintenant, si vous y arrivez, généraliser cela à un public ou bien à une clientèle beaucoup plus grande. L'entrepreneur, c'est celui-là qui dort beaucoup moins que les autres. C'est celui-là qui, pendant que les autres vont faire les agos les week-ends, est en train de lire quelque chose, est en train d'approfondir un sujet dont la maîtrise lui permettra d'améliorer son produit ou bien d'améliorer son idée. Donc, cela rejoint ce que j'ai dit au départ. Vous devez arrêter de vivre comme tout le monde. Alors, comment sentir le coup? Comment avoir du flair? Pour avoir du flair, il faut être chanceux. Mais si vous voulez, si vous êtes très chanceux, oui, vous allez réussir en vous basant sur votre flair. Mais c'est toujours mieux d'utiliser des outils, je dirais, scientifiques. Je suis enseignant chercheur, donc je suis beaucoup plus scientifique. Des outils scientifiques comme ce qu'on appelle l'étude de marché, qui utilise les statistiques, la réalité dans votre environnement par rapport au produit ou bien à l'idée que vous voulez développer. Quand vous faites une bonne étude de marché, ça vous permet d'avoir une idée précise sur la faisabilité de ce que vous voulez entreprendre et donc vous permet de décider, ok, je vais m'investir à fond dans cette idée parce que d'après l'étude de marché que j'ai faite, d'après les statistiques, ça pourra me permettre d'arriver à bon port. Alors Ariane, tu viens d'écouter avec une attention catholique le docteur. Dis-moi, comment on peut arriver justement à entreprendre seul, est-ce que ce n'est pas mieux de se mettre en groupe? Comme on dit souvent, l'union fait la force. Donc, c'est sûr que quand on se met en groupe, on peut réussir plus facilement que quand on est seul. Mais certes, il ne faut pas non plus aller se mettre en groupe avec des gens qui vont passer tout leur temps. Pendant que vous avancez, eux, ils sont derrière.
À cette allure, les choses n'iront pas. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, vu tout ce que l'entrepreneuriat implique, c'est-à-dire les moyens financiers, matériels et tout, c'est toujours bien d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, des gens avec qui on peut collaborer, des gens qui peuvent, par exemple, toucher les bonnes personnes pour pouvoir investir dans ce que nous faisons pour que nous puissions impacter le développement de notre pays, pourquoi pas. Alors, Bruno, comment on fait lors des premiers échecs, comment on fait pour pouvoir se remobiliser mentalement et moralement? Parce qu'on se dit, oui, c'est bien beau de nous dire qu'il faut entreprendre tout cela, mais c'est que lorsque les premières difficultés surviennent, c'est la plupart du temps, on a tendance à laisser tomber. On se dit, bon, si j'étais ingénieur quelque part, c'est qu'on allait me payer mon salaire et je ne serais vraiment pas en train de vivre cette situation. Oui, c'est ce qui est difficile. C'est pourquoi il est souvent conseillé, ce n'est pas le docteur qui va contredire cela, que lorsque vous partez pour entreprendre et que vous avez un capital, il est conseillé de ne pas investir la totalité. Il y a une marge de manœuvre qu'il faut réserver en cas d'échec pour pouvoir rebondir. Donc, il y a certains qui s'y prennent mal, ils investissent tout ce qu'ils ont parce que dès le départ, ils veulent lancer l'entreprise avec, Mettre ça sur les chapeaux de roue. Voilà, ils veulent lancer l'entreprise tambour battant et patatras. Dès qu'il y a la première échec, c'est difficile à mobiliser les fonds encore pour pouvoir continuer. Mais il n'y a pas que les fonds seulement qu'il faut avoir à disposition pour pouvoir rebondir. Il faut aussi l'appui conseil. Il faut que vous ayez véritablement des contacts, des structures qui vont vous aider à mieux peaufiner votre projet. Parce que généralement, si le projet échoue, c'est peut-être parce qu'au niveau de sa mise en place, vous avez peut-être à certaines étapes mal négocié les choses et donc ça vous rattrape après. Alors Mylène, est-ce que tu as déjà eu une tentative ou un soupçon d'entrepreneuriat? Belle question. Non, je ne l'ai jamais essayé. Pas mais du tout. Non, non. Même pas un fast-food? Ça, c'est un projet, c'est pour bientôt. Ah, d'accord. Alors oui, monsieur le docteur Lawani, justement, à propos de comment rebondir. Comment rebondir, c'est parfois très difficile. Parce que, comme il l'a dit, si vous avez au début investi tout ce que vous avez dans la seule idée, dès que ça foire, vous n'avez plus de moyens pour pouvoir avancer. C'est en ce sens que Dangote dit souvent qu'il ne faut pas laisser tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut diversifier. Alors, pour vous donner un petit exemple, personnellement, j'ai déjà eu à entreprendre dans certains domaines. Celui dont je vais vous parler, c'est celui du e-commerce. Dans les années 2012, j'avais remarqué que les parcs d'automobiles, j'avais voulu acheter une voiture. Donc, c'était très difficile pour moi parce que quand je suis parti à Sémé, j'avais plusieurs centaines d'hectares avec des milliers de voitures, je ne pouvais pas choisir. Précédemment, j'avais fait un séjour en France pour mes études où j'ai pu choisir des véhicules sur des sites internet. Donc, j'ai voulu le faire ici. Idée très géniale. Je me suis dit, bon, ben, les gens qui viennent de Tchad, ils peuvent déjà chez eux choisir les véhicules et tout ça, mais j'ai investi plus de 2 millions pour faire construire un site internet par un webmaster très fonctionnel. Et arrivé sur le parc, les propriétaires des parcs n'étaient pas très enchantés parce qu'il y avait une autre équation que je n'avais pas prise en compte. C'est que les services financiers allaient leur coller aux fesses. Donc du coup, le projet qui était très bien, smart, joli et tout ça, est tranquillement tombé à l'eau. C'est dans ce sens que j'ai parlé de l'étude de marché, de l'analyse des différents et d'analyse des différents facteurs qui interviennent dans le succès de ton entreprise. Et aujourd'hui, comment on fait pour pouvoir promouvoir les startups qui sont en train de naître aujourd'hui un peu partout dans le pays pour que ces startups-là puissent survivre? Oui, il faut dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même pour promouvoir l'entrepreneuriat au Bénin à travers le ministère qui se charge de la promotion des petites et moyennes entreprises. Donc, il y a des programmes et de formation pour aider les jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat à y entrer de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus scientifique.
Il y a l'université, je sais que l'université d'Abomey-Calavi travaille avec des sociétés, à des incubateurs pour les jeunes entrepreneurs, pour pouvoir leur permettre de faire des idées viables. Donc, il y a des solutions qui existent. Il y a aussi des ONG comme YEP, Young Entrepreneur Partnership. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut que les jeunes se renseignent, okay, pour pouvoir avoir accès à ces outils. Ouais. Merci beaucoup à vous, docteur, et merci également à vos chers collègues. Je crois qu'on a essayé d'écumer la question, en tout cas en peu de temps. On espère avoir contribué quelque peu à ce débat-là de jeunesse et entrepreneuriat, un débat qui est sur le tapis aujourd'hui, une véritable préoccupation pour pouvoir résoudre la question du chômage. À présent, on fait un tour à la régie, justement pour aller aux relations publiques. On revient derrière pour parler tutosphère et quiz. Retour plateau pour parler tutosphère avec Bruno Swali. Bruno, on est encore avec toi pour découvrir un tuto. Oui, le temps va très vite, les téléphones portables également. On ne va pas perdre du temps sur ce plateau. On va juste partir avec la régie pour suivre ces astuces sur les téléphones portables que nous utilisons chaque jour. Aujourd'hui, plus personne ne vit sans téléphone portable. Mais avouons-le, la plupart d'entre nous ne connaissent que les fonctions basiques du téléphone car peu de personnes ont la patience de découvrir toutes les fonctions que les téléphones mobiles possèdent. Mais ne vous inquiétez plus, dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 fonctions secrètes cachées dans un téléphone portable. Connecter une souris ou un clavier sous Android. Pour connecter une souris ou un clavier sous Android, vous avez besoin d'un câble USB on-the-go qui ne coûte pas cher et qui se trouve dans tous les bons magasins d'électronique. C'est un câble qui permet de connecter d'un côté votre téléphone ou tablette et de l'autre un clavier ou une souris grâce à un port USB. Cette option vous permet aussi d'utiliser votre téléphone en tant qu'ordinateur. Et je vous ai pas dit le plus cool, vous pouvez aussi connecter une manette de PlayStation, un pendrive et plein d'autres dispositifs. Désactiver la musique automatiquement. Cette astuce est spécialement pour les personnes comme moi qui adorent dormir en écoutant de la musique. C'est une fonction très utile qui va vous permettre de programmer le téléphone pour désactiver la musique à un moment précis. Sur iOS, il suffit d'aller dans l'horloge et après au minuteur et ensuite à l'option sonnerie. Faites ensuite défiler l'écran tout en bas jusqu'à trouver arrêter la lecture et sélectionnez cela. Et si vous avez plutôt un Android, appuyez sur lecteur de musique puis sur réglage, activez maintenant Music Auto Out et choisissez la durée que vous souhaitez. Rendre votre téléphone plus rapide. Voici comment nettoyer la RAM de votre appareil afin qu'il devienne très rapide. Il suffit d'aller dans Configuration, puis Applications et vider le cache de chaque application qui se trouve sur votre appareil. C'est une astuce simple qui vous permettra de libérer de la mémoire interne et aussi de la RAM. Pour rendre votre iPhone ou votre iPad encore plus rapide, vous devez appuyer sur le bouton marche-veille jusqu'à l'apparition de la fonction éteindre et ensuite appuyer sur le bouton Home pendant 5 secondes. Résoudre des calculs avec la caméra. Des développeurs ont créé une autre application incroyable qui s'appelle Photomat. Elle est capable de résoudre n'importe quelle opération. Pour résoudre des équations hyper compliquées, il suffit de diriger la caméra vers l'équation et l'application s'occupera du reste. Cette application va permettre à plusieurs élèves de s'améliorer en mathématiques. Recharge rapide. Si ton portable n'a presque... Donc, voilà, surtout cette application de mathématiques, hein, ça va rendre les élèves plus flemmards. Oui, il y a un peu de tout. Les téléphones, vous savez, aujourd'hui, avec le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas pu véritablement aller à la fin de ce tuto, mais on va y revenir probablement jeudi prochain avec d'autres tutos. Mais avant, c'est la rubrique que vous aimez tous sur le plateau, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous l'aimez tous, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, on apprend à l'aimer. C'est le quiz.
Alors, docteur, aujourd'hui, vous allez jouer avec nous. Vous allez jouer avec nous. Vous allez rester avec nos chroniqueurs pour jouer, bien évidemment, ces 5 questions pour déterminer un champion. Et puisqu'il y a 2 hommes, 2 femmes, eh bien, on va faire 2 couples. Les couples qui se font face. Donc, le docteur joue avec Mylène et Ariane joue avec Bruno. Donc, équipe A, c'est l'équipe du docteur. Et équipe B, c'est l'équipe... Parce qu'il est docteur. Voilà, de Bruno. Et docteur, vous devez les terrasser hein, parce que vous êtes docteur. Alors, première question. Qui suis-je ou que suis-je? Je suis situé sur un grand boulevard d'une ville capitale économique. Ma renommée est sous-régionale, voire internationale, vu que de nombreux commerçants d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, notamment du Cameroun, se retrouvent pour y faire des affaires. En 2012... Je rassemblais quotidiennement plus d'un million d'acheteurs. Initialement de 13 hectares, construits en 1963, j'atteins aujourd'hui 20 hectares et envahis les habitations. Oui. Le marché de Dantokpa. Le marché de Dantokpa. Bonne réponse. Bonne réponse pour le docteur. Un point pour l'équipe A. Initialement de 13 hectares, construits en 1963, j'atteins aujourd'hui 20 hectares et envahis les habitations avoisinantes. Je suis le plus grand marché du Bénin et l'un des plus vastes de la sous-région. Je suis bien évidemment le marché Dantokpa. Deuxième question. Musique. Je suis auteur, compositeur et interprète, accessoirement guitariste. Je me distingue surtout par le timbre de mon inimitable voix, une voix sensuelle, à la fois douce et chaude, forte et sensible, sur des rythmes ndombolo, flirtant parfois avec un léger afrozouk. Kofi Olomide. Bonne réponse. Deux bonnes réponses pour l'équipe A. Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine, je suis le premier artiste noir africain à jouer et remplir la mythique salle de Paris, de Bercy plutôt. Mon orchestre Quartier Latin m'accompagne depuis 1986. J'ai à mon actif 6 Kora Awards, 4 durant l'édition de 2002 grâce à mon album Efrakata. Je suis connu aussi pour mes frasques. Je suis Kofi Olomide. Question mathématique. Oui, question mathématique. Je suis parfois appelé Constante d'Archimède. Je suis un homme représenté par une lettre grecque minuscule du même nom. Je suis le rapport constant de la circonférence d'un cercle et à son diamètre, dans un plan euclidien. On peut également me définir comme le rapport de l'aide d'un disque au carré de son rayon. Pi. Ma valeur approchée est de 3,14 ou 22 septièmes. Je suis bien évidemment pi. Aujourd'hui, je pense que tu es allé dans les domaines. Oui. Franchement, la musique, c'est pas mon truc, les mathématiques, non, là. 3-0, vous venez d'être atomisé, Bruno. Ouais, déjà. Mais on va y aller quand même, non? On va y aller, est-ce que vous le voulez? Oui, allons-y. Pour le jeu, allons-y. Alors, je suis une femme battante. Je me passionne très tôt pour les droits civiques dans une Amérique de la fin des années 60 où la ségrégation est encore de mise. Je totalise plus de 20 ans dans la sphère politique américaine. J'ai fait 8 ans au Sénat et 4 à la tête de la diplomatie américaine, mais pas que. Hillary Clinton, au moins, pour sauver la face donc, de nos chers coéquipiers, de nos chers perdants. De nos chers perdants donc, cinquième question pour non, le jeu. On a encore une minute. On va bien évidemment s'arrêter là. Je vais finir. Si, c'est toujours 5 questions. J'ai fait 8 ans au Sénat et 4 à la tête de la diplomatie américaine, mais pas que. Je totalise aussi 12 ans de première dame de l'État d'Arkansas et surtout 8 ans dans le même registre de première dame de la Maison Blanche. J'aurais même pu être la première femme de l'histoire à être élue présidente des États-Unis. Mais quoique les sondages me mettaient devant, j'ai été battue lors des élections par l'actuel président des USA. Je suis la femme de l'ancien président Bill Clinton. Je suis bien évidemment Hillary Clinton. Docteur, merci d'être resté et de jouer avec nous. Ça nous a fait plaisir. Vous avez trouvé 2 bonnes réponses, je suis sûr. Oui, c'est fini. C'est terminé. Alors, merci également à vous, chers chroniqueurs. Rendez-vous demain. Rendez-vous bien évidemment demain. Merci surtout à nos chers téléspectateurs qui sont restés avec nous depuis 7 heures pour suivre cette émission, la parenthèse d'aujourd'hui. Ce refermement se retrouve demain, quand il sonnera très exactement 7h00. Merci de prendre le rendez-vous parce que justement, sans vous, nous n'existons pas.